Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous emmène avec moi à l'Open Day Maxi Scout. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas que ma HM. Aujourd'hui je suis accompagné de Bulmo Bike Life. Et du coup on a emmené aussi sa moto. Il y a le DRD Pro qui est dans le partner. Et là on prend la route direction l'Allemagne et Maxi Scout. Bien sûr, comme d'hab, Bulmo a toujours une moto prête pour l'événement. Alors qu'est-ce qui t'arrive? Là on a un petit souci. La plaquette de frein qui se met littéralement en merde. Il manquait la petite platine. Bon, je sais pas les termes, il s'avère. Remontage et puis après barreau direct. On attend de voir ça. Hein. Parce que là, pour l'instant, ça freine, chef. Ça freine tout seul. Bon, déjà moi ce que je vais faire à l'équipe, je vais être très malin et avant tout le monde je vais aller taper mon meilleur burger, comme ça je suis sûr que je vais pas attendre 2 ans et je vais pouvoir manger un bon burger. Ensuite je vais pouvoir profiter de l'événement comme il se doit, le ventre plein. On part sur un très bon appétit. Comme vous pouvez l'entendre, ça tourne dans tous les sens derrière moi. Je mange un coup et après, je vais profiter. Qui a la plus grosse? Ça c'est les coulisses, la famille. On croit qu'il y a quelqu'un qui est payé pour, mais en fait c'est Nico qui fait tout ici. Hein. Pas tout, non. Mais non, pas tout. Non, on a toute une équipe. Et heureusement qu'ils sont là. T'as besoin d'aide? J'ai trop de briquets, donc un qui marche. Ça, tu vois, moi je pense que c'est la bonne occasion pour dire à Maxi Scout de faire des briquets personnalisés. Exactement, ouais. Elle m'en offre plein, toi. Le petit briquet stage 6 des familles, ouais, en vrai, ouais. Ça serait pas mal dans les commandes. Hein. Mais bon, fumé tue, donc il y a peut-être fumé quand même.
On est maintenant parti pour le Pit Stop Challenge. Un challenge assez simple, un moteur de nitro posé sur une table, le cylindre à démonter, démontage du piston et ensuite remontage complet. Celui qui fait le meilleur temps a gagné. Sur le papier, ça paraît très simple, mais la concurrence a été vraiment rude. J'ai fait un super temps de 1 minute 43, mais comme vous allez le voir juste après, Joe Bike Life m'a devancé de plus de 10 secondes. Félicitations à lui. Go. Ah, il fait le mec à faire le desserrage en croix et tout. Moi j'ai fait serrage en croix le premier. Mais il a même démonté le segment. Le mec est trop chaud. C'est le mec, du coup on change de vélo, c'est comment? Bah en fait il faisait une révision complète, mais il était chaud. Ouais. Lui repartait avec après. Il était à l'atelier là, c'est où la scène? 9 dans le papier. C'est bien. Hop, vas-y, remonte. Ah, la perte de temps pour le joueur français. Ah, c'est dommage parce que il cède à la pression. En plus, c'est un truc tout con. Il se met la pression. Mais c'est que moi aussi j'avais la pression, j'avais les mains qui tremblaient et tout. Bah là, en tout cas, là c'est sûr. Hein. Parce qu'il bute sur des trucs de con. Allez, il te reste 30 secondes. 20 secondes. Tu peux le faire, le joint. Ah, le joint, non. Ah, le joint. Je vais pas mettre un peu de pâte à joint là, le succès là. C'est pas aussi une mythe travers. Bah, c'est le prochain qui va être content avec la pâte à joint. 10 minutes le temps de nettoyer. Ah, relative good. Ouais, Richard là. Tout marche là. Faut que tu remettes un coup de clé hein. Allez, hop! Moi, je trouve que c'est pas assez rapide tout ça. Hein. Ouais, je suis totalement d'accord. Hein. Moi, je l'engage pas. Hein. S'il y a que moi, je l'engage pas, les gars. Et la bougie! Quoi? Il n'y a pas de bougie! 2 minutes 8! C'est bon? Combien? 2 minutes 8! Ouais, c'est carré, hein! Combien? Moi, j'ai fait 1:43. T'as vu, j'ai bien lubrifié l'axe de piston. C'est comme ça que ça marche. Merde. Non, c'est bon. Non. Ah putain. Coup dur pour le joueur français. Ah oui. Tu peux y arriver. Joe, il te manque, il te reste moins de 40 secondes. Attention, go. T'es bien. Joe, il te reste moins de 30 secondes. Joe, moins de 20 secondes. Non. Ah là là. Du coup, là on est posé, on attend le résultat pour le custom show parce qu'il y a un custom show qui est organisé aujourd'hui par Maxi Scout. Non, t'as pas mis de passe à un mytho, il raconte trop des mythos le mec. Eh, salut les abonnés à Moscou! J'espère que vous m'entendez bien parce que moi je m'entends bien là. Voilà, ça là dans toute sa splendeur.
Puis en plus, on s'est fait des potes. Ouais, on s'est fait des potes. On s'est fait des potes. Bon, ils sont pas très bavards, mais il faut pas leur dire. On leur a dit bonjour tout à l'heure, mais ils ont dit. Ils ont pas compris. En fait, ils ont pas compris la façon dont comment on a dit bonjour. Du coup, bah, je pense qu'on les a fait fuir. Là. Au revoir. Ciao. Salut les gars. Salut. Ils sont trop gênés. Oh putain. Oh merde. Bon, on attend le résultat. Est-ce que tu vas être gagnant? Est-ce que je vais être gagnant? Oh, je pense pas. On verra ça, hein. Ouais. On verra ça. Les parents du petit Masco sont demandés à l'accueil. Ça, ah, la bonne félicitations. Gratulations. Warte, ich muss auch noch filmen. Ich bin ja nicht nur zum, ich muss ja auch im Video noch. Einen Moment. Einen Moment. Salut! Sehr gut. Total professionell, ich das hier mache. So! Er macht alles. Ich mache alles. Alles ist alles, was ich mache. Yes! The second place! Allez, Bubule, encore! Encore, on meurt demain! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh,
Bon bah voilà l'équipe, il l'a souillé. On a 6 chars, un seul de compétition, t'as dit. Donc du coup voilà l'équipe, fin de meeting pour moi, fin de vidéo pour vous. J'ai passé une super journée, malheureusement c'est que sur une journée. Et moi je dois repartir assez tôt parce que ce matin je me suis levé très tôt. Et en plus on a encore 3 heures de route pour rentrer, donc vraiment grosse journée. Mais franchement, très belle journée pour moi. 3ème place au Custom Show général face à de très belles motos et de très beaux scooters. Donc je suis vraiment super fier. Je suis aussi super fier de mon montage moteur parce que le 94 Italkit de Bulmo, c'est moi qui l'ai monté l'équipe et franchement, ça tient à mort. Là, l'échappement n'a pas survécu, mais sinon le moteur, demain il part au taf avec, il n'y a aucun problème. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle machine vous avez trouvé la plus belle. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour avoir une notif dès que je sors une nouvelle vidéo. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Masco. Salut !